Bonjour à tous, c'est Geoffrey 1999, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation des points américains. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. Donc d'abord je vais vous expliquer à quoi sert le point américain et dans quelles circonstances bien l'utiliser. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer quel est l'impact psychologique de ces armes de défense sur votre éventuel agresseur. Donc c'est parti pour la présentation de ces points américains. C'est parti. Voilà, donc c'est parti pour la présentation de ces points américains. Donc tout d'abord, alors je vais vous présenter ces points américains. Donc alors, points américains, c'est principalement constitué de métal, donc il n'y a pas de plastique dedans, hein, c'est que du métal. Donc alors, ces points américains sont des modèles bas de gamme que j'ai eu pour 8€ et 12,50€. Donc ils s'achètent en armurerie, hein, naturellement. Et par contre, la délivrance de ces armes de défense n'est pas autorisée pour les mineurs, donc il faut être accompagné d'un majeur ou être carrément majeur, hein, c'est mieux. Que c'est classé en même catégorie que les matraques télescopiques, le gaz lacrymogène, les pistolets d'alarme, les choqueurs taser. Et voilà, armes interdites aux mineurs, hein. Et voilà, il n'y a pas besoin de remplir de papier, pas besoin de licence pour détenir ces armes, c'est en vente libre, mais c'est juste qu'il faut être majeur pour les détenir. Donc alors voilà, celui-ci est doté de tête de métal pour, de mort en métal, hein, pour augmenter les dégâts lors de la frappe. Hein, voilà, donc ce sont des armes de défense, hein, utilisées uniquement pour se défendre et non pour l'attaque. Hein, donc c'est que pour se défendre. Hein. Donc ces armes s'enfilent sur votre poing, hein, vous bloquez entre les phalanges et vous repliez le poing. Et alors là, ça ne bouge pas. Là, vous pouvez frapper, casser une vitre, frapper n'importe quoi ou pour vous défendre. Hein. Voilà, ça bouge pas. Voilà, donc ce sont des modèles bas de gamme, hein, naturellement, pour ces prix. Donc moi, je prends des modèles bas de gamme, puisque pour l'utilité que j'en ai, je veux pas acheter des armes de défense haut de gamme, genre 50-60€, puisqu'à ce prix-là, c'est juste la matière, puisqu'ils sont faits en laiton à 50€, ou alors c'est la couleur qui est vraiment belle, je le reconnais. Ils sont par exemple dorés, enfin, ils sont vraiment beaux comme point américain. Après, c'est juste des armes de collection, après, hein, ça sert à rien de... Voilà, si vous êtes collectionneur, ok, mais là, pour la défense, ce ne sont pas des armes de haut de gamme que je conseille pour la défense. Donc alors tout d'abord, alors cette arme c'est une arme très pratique puisqu'elle peut se planquer dans un portefeuille, dans une poche, dans n'importe quoi. Donc à partir du moment où vous faites agresser, vous sortez votre arme, vous la mettez et puis votre agresseur va clairement comprendre que là il va peut-être même rebrousser chemin parce que là il va comprendre que ça sert à rien de venir vous voir parce que vous allez le démonter en fait. Cette arme là elle a vraiment une très bonne impact psychologique hein, parce que l'agresseur vous voit avec ça, il va clairement dire non, je vais pas m'attaquer cette personne là, elle va me démonter, donc voilà, il va partir. Hein. C'est mieux que les matraques télescopiques puisque ça, une fois que vous l'avez dans votre main, on peut pas vous l'arracher des mains, on peut pas vous l'enlever. Là, vous pouvez rien faire. Hein. Et puis vous pouvez frapper. Il m'est arrivé de frapper dans des parpaings en béton. C'est le parpaing qui j'ai pété des parpaings en béton avec. Hein. Donc c'est extrêmement solide. Hein. Donc ça, on peut pas vous l'arracher des mains, alors qu'un matraque, on peut vous l'arracher des mains. Donc c'est un avantage en plus. Hein. Voilà. Donc alors même ça, c'est une arme que je recommande pour les femmes. Hein. Ça, une femme qui vous frappe 100 points américains, je dis bien 100 points américains, il y a des chances que ça vous fasse rigoler. Hein. On a fait rigoler. Je dis pas ça comme ça, mais voilà. Alors qu'une femme avec ça, alors là ça fait mal, hein. Moi je vous dis tout de suite, un coup de poing de femme par ça, alors déjà avec ça, un coup de poing mal placé, vous pouvez tuer sans problème. Hein. Donc voilà, donc une femme qui frappe avec ça, ça veut pas dire viens stopper, hein. ça veut dire viens pas m'embêter sinon je vais te casser en deux. Hein. Une femme qui frappe avec ça, l'agresseur va se dire dans sa tête, oh là je vais pas aller la voir sinon elle va me démonter celle-là. Donc un coup de poing de ça, là votre agresseur il se barre. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une arme, c'est mes armes préférées à mon goût, puisque voilà, on peut pas vous l'arracher des mains, ça coûte pas cher, et puis ça protège très bien, contrairement aux matraques télescopiques qui sont vraiment pourries. Donc voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Eines Tages hast du kein Zuhause mehr und glaubst nun über Nacht, ein ganzer Mensch zu sein.